window. Just take care of your life. Be mine till the end of the night. When I'm with you, whoa, what I do to you. Stick to each other. Maybe have some love by the inside. Something about it. Wish you I'd be there with you. Jean-Claude Doussard pour Mosaïque FM Fréjus. Nous recevons un jeune auteur-compositeur-interprète fréjusien de 17 ans qui vient d'enregistrer son premier album de 12 chansons, Lovens. Nous venons d'écouter le morceau numéro 1. Qui est Do It Right Now. Bonjour Evan. Bonjour Jean-Claude. Alors tu es encore lycéen, étudiant en littérature, et ta passion c'est la musique. Peux-tu nous raconter comment t'es venue cette envie pour la chanson? Alors, cette envie pour la chanson, cette envie pour la musique surtout, ça a commencé par mon papa qui est musicien, qui est chanteur. Je suis son plus grand fan, hein, c'est mon chanteur préféré. J'ai toujours été attiré depuis tout petit, j'ai toujours baigné là-dedans, dans la musique. Je le voyais chanter, je l'entendais chanter, je l'imitais, j'imitais les autres chanteurs aussi. Et j'ai toujours aimé un petit peu amuser la galerie, amuser un peu les gens. Et puis voilà, moi, essayer de donner un peu du bonheur aux gens et de faire rire les gens ou désamuser ou
de les faire pleurer si possible. Moi, c'est toujours ce qui me branche. Donc voilà, c'est venu comme ça, avec l'envie de gratter un peu une guitare, et puis on pose un doigt sur une corde, on se rend compte que ça fait un son, et puis on pose un deuxième doigt, et on se rend compte que ça fait un autre son, et puis en fait c'est un petit peu comme Hendrix, permettez-moi l'expression. En parlant de guitare, en fait tu joues pas que de la guitare, tu joues de plusieurs instruments. Exactement. Lesquels ? Alors, oula, s'il faut pas les énumérer, je sais pas, mais moi je joue de la batterie, donc principalement en fait j'ai été batteur pendant longtemps, puis guitariste, puis ensuite est venu la basse, puis ensuite est venu le piano, qui était déjà là il y a un petit moment quand j'avais 7 ans, 6-7 ans. Et puis ensuite le chant de plus en plus. Où je me suis... Tu as pris des cours de chant ? Jamais. Non ? Jamais, non. Mon papa m'aide un petit peu, voilà, mon cher papa m'aide un peu là-dessus, pour tout ce qui est la technique vocale, tout ça, ainsi que la justesse. Sinon, non, c'est souvent d'oreille, et puis je m'inspire de des chanteurs que j'aime, quoi. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas trop la langue anglaise, oui. J'en fais partie, donc que racontes-tu dans tes chansons ? Alors, j'aime un petit peu me torturer l'esprit et me poser des questions assez philosophiques, donc d'où le titre de l'album qui est Love Ends, avec un point d'interrogation, donc est-ce que l'amour finit ? On n'a pas la réponse d'ailleurs, je pense que personne n'a la réponse, mais ces chansons aident un petit peu les gens, je pense, à se retrouver dans certaines histoires qu'ils auraient pu vivre, des histoires d'amour ou des histoires avec des amis. Ce sont des chansons autobiographiques dans l'ensemble ? Voilà, complètement. Ouais. Moi, j'écris là-dedans. Après, à vous de voir hein, si vous traduisez les paroles ou qu'elles sont disponibles sur Internet de toute façon, ou traduites. Mais voilà, ça raconte un petit peu le chemin d'un jeune homme ou n'importe qui sur cette terre, je pense qu'il peut se reconnaître. Pourquoi avoir choisi de chanter en anglais ? Alors, choisir de chanter en anglais, tout simplement parce que j'adore la langue anglaise et que j'ai toujours été inspiré par des choses. Donc tu es bon au lycée en anglais, je suppose. Il faut demander à mon prof d'anglais. Normalement, oui. Mais oui, voilà, moi j'adore les sous-entendus, les jeux de mots, autant dans la langue française. C'est-à-dire que je pense être un peu trop jeune pour me permettre d'écrire en français des choses très très sérieuses. Donc pour l'instant, je préfère faire des choses un petit peu accessibles, qui sonnent plutôt bien. Et... plutôt du son, quoi. Voilà, ouais. Voilà. Plus sur du son avec des paroles anglaises qui ne veulent pas dire n'importe quoi, attention. Hein. Je fais toujours très attention d'écrire aussi bien en anglais, en toute humilité, qu'aussi bien en français. Quoi. Mais... Et quel style est ton album ? Quel style de musique as-tu adopté pour cet album ? Alors, dans cet album, moi, je propose un style que j'affectionne particulièrement. Moi, je suis un enfant du funk, donc j'ai toujours été baigné là-dedans. Hein. Donc, c'est un mélange assez spécial. T'écoutais tout ça, toutes les chansons Jimi Hendrix, tout ça ? Oui, bien sûr. Moi, en fait, je suis un grand fan de l'électro-funk et du funk rock. Donc, bon, c'est un mix entre Prince, entre Jimi Hendrix, entre Ed Sheeran, même un peu de tout ça, voilà. Alors, Evan, tu as tout fait sur cet album, je crois. Alors, complètement, oui. De l'arrangement, de la composition, le jeu, tout ça, tout est enregistré par mes propres moyens, par mes propres soins. Et ouais, voilà, moi je suis auteur, compositeur, interprète, mais aussi producteur, ingénieur du son. Tu fais tout, quoi. De A à Z. Complètement, voilà. Et tu as un studio ? Alors, moi je travaille chez moi, où je me suis monté un petit studio, où on répète souvent même avec les copains, voilà, ou même seul, voilà, donc j'enregistre. Complètement seul, voilà. Ok. Je n'exclus pas, comment dire, les participations à l'invité et tout ça, mais bon, je préfère être seul et travailler sur... Et j'ai vu les clips aussi que tu as sur YouTube, oui. C'est toi qui les fais aussi ? Alors, en partie, moi, c'est-à-dire que j'amène le scénario, que voilà, je fais un peu la réalisation, le montage, tout ça. Mais là, le dernier en date, le tout dernier, donc sur le morceau de Don't Let Them Say Why, avec mon amie Lola, ma chère amie Lola, a été réalisé et entièrement monté et filmé par Carla Landi, qui est une jeune chanteuse, voilà. Elle est d'ici ? Elle est de Fréjus ? Oui. Ah ouais, ok. Faudra nous la faire connaître. Elle est déjà bien connue dans le coin. Donc voilà, et elle a fait un travail formidable. Alors, est-ce que tu as fait déjà de la scène ou tu vas en faire ? Alors, j'ai déjà fait de la scène, pas en tant qu'auteur, compositeur et interprète, pas en tant que leader, à part pour certaines petites occasions. C'est-à-dire que moi, j'ai été un très, très grand timide pendant très longtemps. Et puis... Et maintenant, tu t'es soigné. Complètement, voilà. La musique, ça y fait. Exactement, un peu trop même. Plus assez timide. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans la musique ? Dans la musique actuelle ? Dans la musique actuelle, ce qu'on entend actuellement. Ouais, actuellement, ouais. Oh, moi, ce qui m'inspire, c'est de retrouver des idoles. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui adore la nouvelle scène française, la nouvelle scène internationale. Moi aussi, hein, j'en fais partie. Mm-hmm. Mais je pense qu'il manque de fantaisie, qu'il manque d'audace. Maintenant, tout est dans l'audace, en fait. C'est à qui fera les plus grosses bêtises, à qui fera le plus gros buzz. Il y a des artistes qui t'ont inspiré ?
Pour cet album ou En général, il y a un artiste ou une artiste qui t'a inspiré ou que tu apprécies, quoi. Alors, je suis complètement fan de Prince et d'Hendrix, en fait. Mmh. Je suis totalement fan. J'aime aussi beaucoup la chanson française, hein, je néglige pas. Michael Jackson aussi? Ah, j'adore Michael Jackson, j'adore Michael, je suis fan aussi. Et puis, comme je le disais au début d'interview, c'est pas pour faire genre, c'est vraiment, c'est vraiment mon papa, chanteur numéro un pour moi, dans mon cœur. Ton album est composé de 12 chansons et qui s'appelle Lovens. Alors, de toute façon, tu l'as un peu dit tout à l'heure ce que ça voulait dire, Lovens. Alors, Lovens, ouais. En fait, avec un point d'interrogation, c'est une question, ce qui veut dire, est-ce que l'amour finit? L'amour finit-il? Écoutez l'album et vous essayerez d'avoir la question, la réponse à la question. Tu es déjà passé sur d'autres radios? Non. C'est la première? Oh, oui, je suis très c'est heureux. Le Batam? Exactement. Okay. J'aurais adoré faire de la radio. On engage, hein. On est 50 bénévoles. Tu demanderas à notre directeur d'antenne. Yann, si tu m'entends. Merci d'avoir accepté mon invitation, Even. Et donc, je rappelle aux auditeurs que c'est un album tout en anglais qui s'appelle Lovens, un album de 12 chansons. Je te laisse le dernier mot avant de se quitter avec une dernière chanson. Écoutez, merci beaucoup. Et je pense qu'on peut écouter la piste numéro 3 qui est In the Elevator, une chanson assez rythmée. J'espère qu'elle vous plaira. Oh,